Hello les amis, bonjour. Ici Brigitte du site Voulez-vous retrouver la joie de vivre? Alors aujourd'hui, je vais vous partager une clé que j'ai mise en application et que je mets toujours en application à ce jour, qui est la respiration. C'est-à-dire à revenir à ma respiration de bébé. Et oui, les bébés, quand ils arrivent au monde, ils respirent par le ventre. Et c'est une respiration naturelle pour eux. Ça se fait naturellement. Et nous, pour des raisons diverses et variées, nous avons perdu cette respiration et nous nous sommes mis à inverser celle-ci, qui fait que ça nous pose pas mal de soucis quand même pour notre santé. Pour apprendre à respirer naturellement, en fait, c'est de reprendre la respiration ventrale. Et pour reprendre cette respiration ventrale, c'est... Je vais vous inviter à mettre une main sur votre ventre de façon à sentir ce qu'il se passe quand vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre comme un ballon et vous allez pouvoir compter jusqu'à 5 en poussant votre ventre. Vous allez pouvoir bloquer ensuite cette respiration en comptant jusqu'à 10. Et ensuite, vous allez expirer en rentrant votre ventre. Et vous allez compter jusqu'à 10. Ensuite, vous reprenez une respiration normale. Vous allez voir que le ventre, il se gonfle tout seul comme un ballon et ça se fait naturellement. Et vous recommencez. Vous le faites au moins une quinzaine de fois de façon à rééduquer votre ventre et le circuit de la respiration en passant par le ventre qui se gonfle et ensuite quand vous expirez, en rentrant le ventre tout simplement. Et je vais vous inviter aussi à faire cet exercice. Alors, vous pouvez fermer les yeux quand vous allez le faire et mettre vraiment votre intention sur la respiration et rien que sur votre respiration en inspirant l'amour et en expirant la paix. J'inspire l'amour, j'expire la paix. Et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Rien que cet exercice déjà va pouvoir vous apaiser. Vous le faites par exemple le matin en vous levant une quinzaine de fois pour dire de mettre votre corps en route. Et vous le faites le soir avant de vous endormir. Et si vous êtes vraiment en douleur, ben vous allez voir que ça peut vous apaiser également. De mettre votre intention sur la respiration et rien que sur la respiration. Et en inspirant l'amour et en expirant la paix, vous allez apaiser votre corps. Et vous pouvez aussi vous amuser à inspirer la pleine santé et expirer l'harmonie. J'inspire la pleine santé, j'expire l'harmonie. Voilà, c'était un exercice que je voulais vous partager qui peut vous aider à vous détendre, à retrouver une paix, une sérénité à l'intérieur de vous. Donc juste à prendre cet exercice comme un jeu. Faites-le en délit détente si vous voulez petit à petit reprendre cette respiration naturelle. Il va falloir vraiment, je vous invite à la faire chaque jour. Parce qu'une rééducation, c'est pas une seule fois, ça se fait par répétition, répétition, répétition. Pour avoir quelque chose qui change dans nos habitudes, eh bien c'est le travailler, le travailler, le travailler. Et en faire comme un rituel un peu chaque jour. Donc ça c'est le premier rituel que je vous partage. Qui a été mon rituel et qui est toujours mon rituel parce que je l'utilise vraiment tous les jours, cet exercice, de façon à aérer mes cellules, de façon à ce que tout à l'intérieur, la respiration c'est très important parce que plus vous allez oxygéner votre corps, plus vous allez oxygéner vos cellules et vous allez vous donner cette possibilité de détoxiner vos cellules, déjà rien que par la respiration. En même temps, je peux vous inviter à boire beaucoup.
C'est-à-dire, nous sommes composés à 80% d'eau, et il est important que cette nourriture vienne alimenter notre corps et vienne aussi purifier nos cellules. Aussi important de boire beaucoup d'eau, de l'eau de source, si possible, et aussi apprendre à détoxiner avec la respiration. Vous voyez, ça, c'est une première approche que je vous propose. Faites l'expérience et vous verrez déjà si vous trouvez des apaisements qui se mettent en place. Voilà, donc c'était le partage du jour. Et ben, je vous souhaite très bel exercice, très bel entraînement pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir les amis.